qui j'espère vous effraie. Voilà qui j'espère vous effraie. Mademoiselle Malvina ne quitte plus son éventail depuis qu'elle est morte. Son gant gris-perle est étoilé d'or. Poulenc, c'est quelqu'un qui nage comme un poisson dans l'eau dans les salons de la haute société parisienne. Mais c'est aussi quelqu'un qui est attiré par un monde beaucoup plus sulfureux. Le bal musette, les music halls, les maisons closes. Toute une explosion de vitalité. Mais au fond, il était d'une grande mélancolie. Ce concert, c'est un peu comme un grand bouquet de fleurs qu'on voudrait offrir à tous les curieux. D'ailleurs, en parlant de bouquet de fleurs, je voudrais vous citer un vers de Guillaume Apollinaire. Nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines où le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir. Et puis ce soir, on s'en ira au cinéma. Les artistes que sont-ce donc? Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art. Art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs et les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma. Nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma, mais cinématographe. Oh, si mon Dieu, faut-il avoir du Apollinaire, c'est l'auteur des calligrammes, et pour moi, c'est l'ouverture de la poésie à des nouvelles formes. Et vaut mieux sacrifier une beauté.
pas son